Salut les crafters, c'est Loak et bienvenue dans ce nouvel épisode de Redstone Machina. Aujourd'hui, nous allons construire une usine à kelp qui nous permettra d'avoir autant de combustible que l'on souhaite pour cuire tous nos minerais ainsi qu'une source infinie de nourriture. Allez, c'est parti! Alors la ferme de base est très simple et demande peu de ressources. Nous allons avoir besoin de 6 glaces compactées, de 3 seaux d'eau, d'un peu d'algues, du verre, des observeurs, des pistons, de la terre, des blocs de build, deux coffres, deux entonnoirs et des pancartes. Alors, on commence par faire une petite plateforme. Hop là. On pose de la terre qui va venir récupérer nos kelps. On pose de la glace compactée. Ça permet aux items de glisser nettement plus vite jusqu'au hopper. Voilà. Vous faites les côtés, le mur de derrière, d'une hauteur de 5 blocs. Voilà. Ensuite, vous posez vos coffres. Voilà. Vous venez mettre vos hoppers. Voilà, comme ça. Ensuite, on construit le mur sur le côté. Voilà. On utilise des pancartes pour stopper le flux d'eau. Voilà. Encore une. Voilà. Enfin, moi j'utilise des blocs de verre pour pouvoir voir la ferme de l'extérieur. Vous pouvez utiliser n'importe quel bloc, c'est pas obligatoire. Ensuite, on va poser les pistons, voilà, comme ça. Juste au-dessus, on va poser les observeurs blocs. Voilà, on met une ligne de blocs derrière les pistons qui vont venir accueillir la redstone. Voilà. Maintenant, on va poser les sources d'eau. Voilà pour les sources d'eau. On va planter nos kelps. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer et à faire un petit peu de cosmétique. J'utilise des 6 lanternes pour mettre de la lumière parce que je trouve ça plutôt joli. Et je ferme avec des blocs de verre. Vous pouvez mettre des blocs de verre par-dessus le coffre. C'est considéré comme un bloc invisible, donc vous pourrez quand même ouvrir le coffre. Et voilà, la ferme est terminée. C'est une ferme qui est très productive, surtout si on la fait de grande taille. Voilà comment est-ce qu'on utilise les algues. On les fait sécher. Avec un bloc d'algues séchées, on peut faire cuire 20 items. Et pour faire un bloc, il n'en faut que 9. Ce qui permet de faire une source de combustible, d'XP et de nourriture infinie. Sur ce, l'épisode est fini. N'hésitez pas à liker, disliker, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et moi je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau Redstone Machina. Allez, tchuss!